Souvent, je pars d'une vieille toile que j'aime plus. Puis j'essaye de voir ce qui va se passer. J'ai quand même un fond, ça mène. D'abord, bon, c'est des histoires un peu d'économie de place, de reprendre des vieilles toiles, mais c'est aussi des surprises comme ça. Quand je pars sur un tableau, ce qui m'intéresse, c'est de pas très bien savoir où je vais. Mais je pense quand même que, néanmoins, par exemple, si tu prépares une expo, tu as un thème dans la tête. Mais aujourd'hui, je viens de finir 4 expos, donc je sais pas du tout où je vais, c'est... voilà. À la limite, moins je vais savoir, mieux c'est intéressant. Alors je vais attendre, en principe, il y a quelque chose qui va apparaître à un moment. Eh ben tiens, par exemple. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de le faire. Tu vois, là, on pourrait dire qu'il y a presque une figure de quelqu'un qui tient un enfant dans ses bras. Voilà. Alors je pourrais un petit peu pousser cette idée. Mais si je vais par là, moi je vois un port... un voyage vers la mer. Donc peut-être par là, il y a plutôt des bateaux. Ce genre de truc. Alors, en fait, c'est qu'une histoire de désir. Hein. Le plus étonnant, c'est quand j'ai même pas le temps de chercher et que ça s'impose. Souvent, il y a des fois, tu dis ah, mais il faut qu'il y ait dans cette espèce de suspension, à mon avis, pour que le tableau ait un sens, pour qu'il parle. Alors, si t'es trop décidé, je vais faire une femme qui tient un enfant dans ses bras, ça va être la merde. Si t'es pas du tout décidé, je peux patouiller toute la journée comme ça à la recherche d'un truc. Ça va pas être très bien non plus. C'est comme ça que je me représente ce travail de peinture. Et l'état de recherche dans lequel ça me met, qui me distrait de mes problèmes personnels et qui a l'air de les emporter, tu vois, comme un wagon, un train. Alors je mets mes problèmes dans le wagon et ils partent. Du coup, j'ai travaillé sur les démons avec cette histoire-là. À un moment, j'ai carrément pris en main cette idée d'exorciser les démons, donc de mettre dans la toile vraiment tout ce qui m'empêche de vivre. Donc j'ai fait une expo qui s'appelle « Nommons nos démons ». Thank you.
Et ce tableau-là, il vient d'un tableau de même ligne, 1480. Je t'ai dit que j'avais fait de l'histoire de l'art. Je continue à avoir une passion pour les périodes du Quattrocento. Et même ligne faisait la verture enserrée dans une citadelle pleine de couteaux. C'est la névrose de chasteté, voilà, j'appellerais ça comme ça. Alors là, pour moi, c'est un peu aussi précis que la période des tableaux avec les carrelages, que même les animaux sont venus. Ils sont venus envahir la citadelle. Voilà, et je me disais que cette fille, quand même, elle coule. Elle a l'air quand même pas si malheureuse que ça, pas si enfermée. Dans le tableau de Manique, je me souvenais qu'il y avait deux bêtes. C'est toujours mon histoire de tâches, tu vois. Je balance des tâches et puis à un moment, je vois un peu les trucs qui viennent. Mais là, j'y pense quand même qu'il va y avoir deux animaux héraldiques, là. Mais tant tu verras le tableau de Memling, c'est pas cela. Il n'y a pas des ânes. Hein. Les autres, ils sortent de la montagne. Je trouvais cette montagne trop dure et tout d'un coup, je les vois arriver. Enfin, c'est ce que je m'en raconte. J'ai 6 ans, 7 ans, je vais chez ma grand-mère. On est quelques cousins et elle nous a des peintures. Et puis grand-mère, on fait quoi? Véronique, peins ce que tu veux. Voilà. Et pour moi, ça, c'est une phrase, une vraie autorisation. Qui s'est transformée avec le temps parce que c'est pas forcément ce que je peux, que je veux pas. Mais peins ce que tu veux, c'était quand même cette ouverture. Voilà. Après, j'ai passé toute ma vie à avoir deux métiers. Un métier plutôt intello. J'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai fait de l'ethnologie. Et un métier plutôt au départ artisanal, métier d'art. J'ai fait de la tapisserie pendant des années. J'ai un métier de lissière qui se sent un peu, je le vois des fois dans la peinture. Et puis en 87, à la naissance de mon dernier enfant, je sais pas, ça m'a donné une autre liberté cette naissance. Et j'ai lâché la tapisserie qui est très contraignante. Et la peinture me paraît répondre à l'histoire de ma grand-mère. Comment est-ce que j'ai commencé cette peinture-là? Je faisais de l'aquarelle, très figurative, qui m'aidait à préparer mes cartons en tapisserie. Donc j'aimais peindre dehors, quoi. J'avais jamais peint à l'intérieur de moi. Et ça, je ne sais pas très bien comment ça s'est fait, ça. Je crois que c'est un moment de dépression, où tu te dis qui je suis. Donc il y a une année, je ne suis pas partie en vacances avec ma famille, mes gosses. Hein. Je suis restée 3 semaines seule et j'ai fini par plonger, quoi. Et puis là, j'ai trouvé très très faiblement un tout petit animal. Ça n'avait plus rien de figuratif. À ce moment-là, j'ai découvert, quoi, que je pouvais peindre ce que je voulais.
peut-être qu'il y a différents moments dans ma vie. Effectivement, je suis née au Maroc et j'y suis retournée. Je suis retournée dans le désert dans les années 2000. Et là, j'ai travaillé à l'eau beaucoup, avec du sable. Tu vois, il m'en reste aujourd'hui ce sable. Et c'était des choses où je replongeais dans mon enfance africaine, sans m'en rendre compte. Mais les gens disaient, on dirait le Maroc, on dirait le Maghreb, etc. Voilà. Donc c'était très léger, c'était très... Ça a été tout un moment comme ça, et puis j'ai donc été dans la galerie Gérard Choumara, et je crois que ça m'a libérée. Et je suis passée à des grands formats, à l'acrylique, et des choses qui me paraissaient un peu n'importe quoi. Gérard me disait, mais vas-y par là. Et là, moi, j'ai découvert tout doucement que ce qui me passionnait, c'était la part animale, les animaux, qu'est-ce qu'il y avait d'animal en nous. Donc, c'était plus le Maghreb, il restait peut-être un petit peu des petites choses bleues, un bleu. Mais non, au moment de la crise de la vache folle, je me suis dit que la femme de Noé, si elle ressuscitait, elle sauverait les vaches folles. Et ça, c'est un rapport avec mon travail d'ethnologue. Je suis spécialisée sur l'élevage français. Et à ce moment-là, je croyais, moi, que la peinture et l'ethnologie étaient deux carrières différentes. Et ça s'est réuni. Et c'est pour ça que je suis encore très émue quand les animaux sautent dans ma peinture. Parce que je me dis, je ne suis pas divisée comme je le croyais. Ça, c'est il y a 2 ans. Si tu veux, les gens commençaient à me dire on voudrait acheter du Soriano. Et ça m'a exaspérée. Je me suis dit, je suis en train de me perdre. Je suis en train de faire ce que ma découverte personnelle est en train de devenir un système. Donc, je me suis balancée dans autre chose. Donc, je suis partie à l'huile et j'ai repris des vieilles toiles que j'avais chez moi. Et là, je ne peux pas te dire comment, je me suis lancée dans des choses. Je voulais travailler plus précisément, mais je ne sais pas comment sont arrivées toutes ces histoires de carrelage et de mythologie liée plutôt à la reine de Saba, Salomon. Comment la reine de Saba rencontre Salomon, comment l'Orient rencontre l'Occident. J'ai foncé à Florence revoir Titien, l'amour sacré, l'amour profane. Voilà, tous ces thèmes ont parlé. J'ai souscrit à la Biennale d'Art Sacré. Le thème était imposé là, ce coup-là, et le thème c'était le souffle. Ça m'a permis de relire la Bible, et je me disais inspiré dans le souffle. Inspiration, c'est un truc de peintre, et c'est en même temps le premier mouvement de Dieu quand il crée le monde.
d'après la Genèse. Il y a une histoire de souffle, hein. Le souffle de Dieu planait sur les eaux. Voilà. Et le souffle, c'est aussi l'inspiration qui fait une œuvre. Et quand il n'y a pas d'inspiration, ben, l'œuvre ne se peut pas. Donc j'ai proposé des toiles. Avant de les faire, j'ai été obligée de proposer. J'ai proposé trois toiles qui seraient inspirées de trois paroles bibliques fondatrices du souffle. Inspiration, la terre était vide et vague, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Respiration, c'est le moment de venir à l'air libre, de passer de l'eau à l'air. C'est le moment où l'homme devint un être vivant. Et puis, expiration. Alors, la parole de la Bible, c'est « Père, je remets mon souffle entre tes mains ». Ayant dit ces paroles, il expira. C'est le moment de mourir, de rendre l'esprit comme s'il avait été prêté. C'est le dernier souffle. Voilà, donc j'ai écrit ce texte. Et après, c'est la merde, parce que t'as écrit et il faut peindre. Souvent, c'est l'inverse que je fais, je peins, puis... Eh ben non, moi, ça m'a porté. Alors, quand je travaille, je mets des disques de musique baroque, Corelli, Scarlatti, et ça me crée une ambiance. Après, j'écoute plus. Mais si tu veux, c'est comme si c'était le signal, ça y est, Véronique, tu peux y aller. Et donc, c'est très difficile à partager. S'il y a des gens dans mon atelier, c'est pas une musique que les gens aiment beaucoup. Mais c'est depuis quelques années, mais c'est étonnant, c'est un signal dans ma tête. Par contre, j'ai aucun mal à démarrer. C'est jamais aucun mal. J'ai pas peur du tout de la page blanche, ni pour écrire, ni pour peindre. Mais c'est au moment où l'énergie s'arrête, c'est là que c'est difficile, parce que est-ce que tu vas te forcer et tu sais que c'est pas la peine? C'est comment ne pas te forcer? C'est quand t'es en panne, mais pour démarrer, ça va. J'ai longtemps donc eu un boulot d'enseignant-chercheur et ça c'était terrible parce que j'avais envie de peindre et puis je ne pouvais pas. Donc je me suis créé ces petits cahiers et absolument chaque jour, tout le temps, même en cours, j'ai fait des dessins. Voilà, mon rythme de travail il est là. C'est tous les jours absolument, même si je suis au boulot, en bagnole, n'importe où. Je fais ça. Et ça, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée parce que j'avais l'impression que je pouvais être peint dans la peinture tout le temps, même si je ne suis pas à mon atelier. Voilà. C'est un entraînement de la main.
Je me sers pas de ça pour faire un tableau. Pas consciemment, en tout cas. Tu vois, voilà, vendredi, j'ai peint toute la journée, donc je suis fatiguée, j'ai rien fait d'autre que ça, mais je l'ai quand même marqué. Samedi, je suis je sais pas où, donc j'ai recollé le papier où j'étais. Qu'est-ce que ça, la liberté, les limites, ça c'est dimanche. La force d'être, c'est peut-être d'envisager la perte. Voilà, tu vois, ça va pas fort. Hein. Donc je pense que ces structures-là, à force de les faire dans ces petits dessins, je les ai dans mes tableaux. Et des gammes. Mais jamais je me dis, oh la belle idée que j'ai eue là, je vais me la recopier. Non, non. Non, 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 ça m'intéresse pas. Thank you.